Dans une récente vidéo, Robinson Pifo nous parle d'une mission qu'il aurait accomplie. Il nous fait comprendre que le fait qu'il a cogné nos têtes ici avec l'histoire de Génie Solo et Prince Aimé était une mission. Je n'arrive pas à comprendre. Plus loin, il nous fait comprendre qu'il n'a aucun problème avec Prince Aimé. J'ai regardé cette vidéo en intégralité, honnêtement. Il y a quelque chose qui cloche. J'aimerais que vous-même vous écoutez un peu Robinson Pifo. Vous me dites un peu en commentaire de quoi Robinson Pifo parle. Puisque c'est après le succès, je dirais le succès du remix de Viviane entre Prince Aimé et Malos, que Robinson Pifo vient nous raconter certaines choses. Vous-même, écoutez ce qu'il nous dit là et dites-moi un peu en commentaire de quoi Pifo parle concrètement. Écoutons ensemble et je vous prends après. Hein. Alors, mission accomplie. Mission accomplie. Quand je dis mission accomplie, vous allez vous poser des questions. Pourquoi? Écoutez cette vidéo. Regardez cette vidéo autant pour moi. Il faut remercier ceux qui ont été toujours là pendant le parcours. Les longuets, gâteau international. Nous tous, on va continuer au travail. Comme je dis, même Pifo, qui était là, il est en train de travailler pour la réussite de Prince Aimé aujourd'hui. Ça veut dire que quand ça devient un devoir national, il n'y a plus de division. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez venir vous excuser alors pour tous ceux qui m'ont juré là? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Moi, j'étais dans la stratégie de com. Merci encore à Waxday qui m'a écouté. Merci à Waxday avec qui on causait presque chaque temps. Merci également à Moussik avec qui on a discuté 2, 3, 4 fois. Et il a compris beaucoup de choses. Il ne peut pas avoir de paix s'il n'y a pas de guerre. Même la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils sont solidaires parce qu'il y avait une grosse guerre chez eux. Laissez les conneries que les Camerounais se détestent entre eux. Non. Attendez un peu, ça explose un jour entre Yaoundé et Douala, dans les grandes villes là. Vous allez voir comment les Camerounais s'aiment. Et même la guerre autour du. Et même la paix, la solidarité autour du projet des princes aimés, c'est à cause des différentes guerres qui ont été créées. Des différentes guerres qui ont été créées. C'est vrai, la guerre n'est pas bonne. Mais parfois, pour faire régner, ou pour faire les régner, c'est un nombre de choses. Pour amener un changement, il faut la guerre. Je veux dans cette même mobilisation, mesdames, messieurs, pour les inscriptions sur la liste électorale. Et regardez un peu ce qu'on a fait pour Prince Aimé. Imaginons faire la même chose là, pour les listes électorales, pour les prochaines élections. Est-ce que vous comptez ce qui va se passer dans ce pays? Vous pouvez imaginer, hein? Vous pouvez imaginer ce qui va se passer au Cameroun s'il y a cette même mobilisation là autour des inscriptions sur la liste électorale. Attendez, vous n'avez même pas l'idée de ce qui va se passer. Donc, désolé à tous, moi comme je dis, comme je le disais, je n'ai aucun problème avec Prince Aimé. La vérité que je fais éclore reste la vérité, c'est l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire parce qu'on ne peut pas aller en arrière. Maintenant, avoir un problème particulier avec lui, je dis non. Mesdames, messieurs, cette solidarité doit être apportée à tous les jeunes artistes camerounais et même ceux de l'ancienne génération. Il y a beaucoup là qu'on peut réveiller comme ça. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire vous combat, non? Tentez un peu de dire que vous allez prendre les anciens pour les combattre. Ils vont fuir le combat là parce que si on prend nos anciens ont les dangereuses musiques, vous n'avez même pas l'idée. Donc sur ce, je rappelle encore, j'insiste, je n'ai jamais eu un problème avec Prince Aimé, à part le fait qu'ils reconnaissent ma vérité que je suis venu avec. Et maintenant, invitez Prince Aimé dans le spectacle. Donnez-lui le cachet, il en a besoin. N'oubliez pas aussi qu'il y a une autre personne qui s'appelle Génie Solo, qu'on a connue pendant ce moment, qui a aussi besoin de vous tous. C'est des malvoyants. Ils ont une histoire, les deux ont une histoire. Les deux ont une grosse histoire ensemble. Les deux ont une histoire, ne les négligeons pas. Vous voyez, quand je fais pour Prince Aimé, je fais aussi à côté pour Génie Solo. Aidons-les. Ils sont abandonnés à eux-mêmes depuis des années. Ce vendredi à partir de 18h, le clip de Génie Solo sera dehors. Et rassurez-vous, c'est une belle chanson, c'est un très beau clip. Vous n'allez pas regretter pour avoir regardé ce clip. Et beaucoup vont comprendre qui est réellement Pifo. Parce que quand je dis souvent, on pense que je me la pète. Non, je suis un monsieur. Je suis un monsieur. Abafa, on dit Mbata. Ça veut dire très très fort. Et Génie Solo, ce vendredi à partir de 18h sur YouTube. Non, moi, je vais pas le million de vues. Je veux que le père la mange. Je veux mettre une chanson sur YouTube. Je vais mettre une chanson pour lui sur YouTube. Ça a été mon rêve d'enfance. Cabrel Nanjip, où tu es frère, je l'ai fait. Ce qu'on allait faire ensemble là, j'ai fait ça Cabrel. Et je sais que tu seras content. Parce que nous deux, on avait décidé. On avait dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour Génie Solo. Qui est ce papa qu'on a vu depuis que nous sommes tout jeunes, tout petits. Abandonné à lui-même dans la misère. Cabrel, je l'ai fait, tu seras content. Vendredi, Cabrel, tu vas regarder le clip. Tu vas écouter la chanson, frère. Peace and love. Vendredi à partir de 18h. N'oubliez pas le rendez-vous. Merci. J'attends vos excuses en commentaire. Venez vous excuser. Parce que moi, j'étais dans ma mission, j'étais en mission. Et j'ai bien accompli ma mission. J'ai reçu des injures de tout genre. J'ai digéré. Parce que c'est ça.
se donner, mettre sa peau, donner sa peau pour quelqu'un. Oui, c'est ça également, se sacrifier pour quelqu'un. Ciao. Je ne sais pas, vous avez compris ce que Pifo a dit. Il nous fait même comprendre qu'il faut vous inscrire sur la liste électorale. Mon frère, tu n'es même pas au courant que la liste a été arrêtée depuis. C'est aujourd'hui que tu viens parler de la liste électorale. Autre chose, il nous a dit ce vendredi, je crois que c'est à 18h, oui, la sortie du clip de Génie Solo. Voilà, donc je pense qu'on doit également se mobiliser pour soutenir notre frère Génie Solo. C'est aussi un frère camerounais, c'est également un artiste. Nous allons le soutenir ensemble. Donc nous attendons le clip, nous allons partager également. C'est aussi un frère, il est aussi malvoyant comme Prince Aimé. Il mérite aussi notre soutien. Donc ensemble les amis, on doit aussi soutenir ce frère-là, Génie Solo. Donc nous attendons le clip à 18h. Comme annonce son manager, je crois que c'est son manager, producteur, voilà, Robinson Pifo. Frère, beaucoup de courage. Children, look what you have to give. Génie Solo.